Trax is back. Yo les gars, c'est Trax, donc j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis très très heureux aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne de la Aria Clan pour vous commenter ce top 5, et oui l'épisode 16 en ma compagnie, car oui, vous avez toujours eu l'habitude d'entendre Atek nous commenter justement ces top 5 clips de la Aria Clan. Mais pour ceux qui suivent la Aria de très près, Atek nous a malheureusement quitté pour entrer dans la Obscure Clan, alors n'hésitez pas à lui souhaiter une bonne continuation dans l'espace des commentaires. Je suis sûr qu'il fera un tour sur cette vidéo et que ça lui fera extrêmement plaisir. Par la même occasion, je tenais à insister sur le fait que nous sommes en manque de clips. Alors si vous avez des clips de malades, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui se trouve maintenant à votre écran, donc top5aria@yahoo.com, que ce soit des clips sur n'importe quel Call of Duty, à n'importe quelle arme et sur n'importe quelle plateforme, n'hésitez plus, envoyez-les moi et je me chargerai personnellement de vous faire passer dans ce top 5 clip de la Aria Clan. Et d'ailleurs, si vous avez envie de me voir commenter ces top 5 en facecam, ben n'hésitez pas à m'exploser cette barre de like. Objectif 600 likes, la Aria compte sur vous, je sais qu'on peut le faire. Et sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite ce top 5 avec à la 5ème place le joueur Cray, qui est avec son Locus sur la map Aquarium au mode dernier rempart. Regardez-moi le carnage, la collate et puis le single, et le single pour nous faire la quad feed en killcam. Vraiment un gros GG à toi. Nous allons voir justement ce que ça va donner en ralenti, donc à la killcam avec sa réaction. C'est parti. Oh le bâtard. Oh, j'ai une balle, trip, quad killcam, il a fait Cray. Et à la 4ème place, on se retrouve sur la map Nocturne avec le joueur Haim et Oxing. Et vous allez voir que lui, c'est le genre de mec, il a pas le temps. Avec sa VMP, il nous réalise un petit turn tout en finesse. Il va sortir la tempête, se diriger vers le spawn, louper une balle, mais ce n'est pas grave. Regardez, il fait un kill, la tempête est au sol. Et là, boum, la 5 feed qui sort de nulle part. Énorme GG à toi. Et on entre maintenant dans le top 3 avec à la 3ème place un clip de Malabar. Et vous allez voir que le mec, lui non plus, il a pas le temps. Il sort son purificateur pour nous faire un terrible massacre. La médaille Calamity dans le spawn ennemi, voilà. Et le mec, il a déjà tout débloqué, c'est sérieusement, tu vois, le mec, il lui faut 2 secondes, il se fait tuer malheureusement. Un kill de la médaille chaîne d'élimination, mais vraiment un clip propre, GG à toi. Et à la 2ème position, on se retrouve avec notre légende, notre emblème, j'ai même envie de vous dire, j'ai nommé le joueur Aria Gigi, qui va se diriger vers le spawn. Et alors, ce que j'aime bien justement dans ce clip, c'est qu'il va nous réaliser sa nucléaire et sans pression se diriger vers le spawn pour nous faire la 5 on screen avec sa batteuse en mode normal. Gros GG à toi. Et à la 1ère place, on se retrouve sur la map Hunted avec Livio Defos. Et vous allez voir que lui non plus, il a pas le temps. Il est en mode dernier rempart, se dirige vers le spawn avec son P06. La 5 on screen qui sort de nulle part avec la 6 feed broke. Un énorme clip de ta part, vraiment énorme GG à toi. Et c'est déjà la fin de ce top 5 en ma compagnie. Alors j'espère que vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas aussi à les féliciter, les joueurs, en allant voir leur chaîne qui seront dans la description. Et si vous aussi vous pensez avoir des clips de fifou, de malade, de taré, n'hésitez pas à tenter votre chance en nous les envoyant à l'adresse qui s'affiche maintenant à votre écran, donc top5aria@yahoo.com, que ce soit sur n'importe quel Call of Duty et sur n'importe quelle plateforme. Sur ce, c'était Trax et moi je vous dis à la prochaine pour un top 5 clip. Ciao tout le monde.